On salue à tous. Comme vous pouvez vous en douter, petite sortie détection, voilà. C'est la première de l'année et la première depuis un bon moment. Donc pour ceux qui me suivent depuis pas très longtemps, ben je vous mettrai un petit lien sur ma dernière vidéo. Comme ça vous pourrez la visionner. Voilà, c'était un poids monétaire que je n'ai pas pu identifier pour l'instant. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ben écoutez, tout simplement, un champ pas encore tout à fait RC. Donc on va attaquer, puis on va voir ce qu'on va trouver dedans, hein, tout simplement. Hein. C'est la première fois que je le fais, celui-ci. Voilà. Bah écoutez, par cette journée de brume, s'il y a quelque chose, je rallume. Allez, à plus, tchuss. Allez, première cible pour moi, la voiture est juste là-bas. Moi, je fais un tout petit peu, juste cette petite rangée. Première cible, ici. Voilà. Là, oh, je sais pas. Ça, c'est lourd. Hein. En acier, hein. Couvercle, aucune idée. Voilà. Voilà. Bon, en tout cas, ça reste un déchet. Hein. Voilà. Allez, sur ce, ben, je continue sur cette lancée et puis si je vois que ça donne rien, ben, je change de champ tout simplement. Voilà. Allez, tchuss. Allez, nouvelle cible ici à 15 cm, même pas. Hein. Un petit anneau. Hop. Un petit anneau, voilà, en cuivre, voilà, un tout petit, avec un déchet qui se trouvait juste ici encore, hein. Un déchet indésirable, voilà. Allez, bon ben je continue, hein, je rallume la prochaine trouvaille, hein. Allez, tchuss. Allez, nouvelle cible, pareil, hein, 5-10 cm, hein, pas plus, hein. Ici, voilà, un déchet en aluminium, voilà, magnifique, je suis trop content. Ah, franchement je kiffe ces trouvailles, franchement je les kiffe, super, magnifique. Ah, je suis vraiment content. Allez, bon, je continue, hein. Je pense qu'il y en a des trouvailles comme ça, c'est nickel, je suis trop content. Allez, à plus, tchuss. Allez, après la trouvaille qui se trouve, ouais, je crois là-bas, hein. Pas plus loin, ici, regardez, je suis trop content, super, regardez. Encore une trouvaille intéressante. Un petit déchet en aluminium. Nickel. Ah, franchement, ça fait ma sortie. Hein. Je suis trop content. Allez, bah moi je rallume ma prochaine trouvaille. Hein. Allez, tchuss. Allez, nouvelle trouvaille. Toujours en même rangée. Hein, là-bas. Pas plus loin. Je crois une vingtaine de mètres. Ici, hop. Regardez. Le reste d'un cadenas. Apparemment celui-là il a été sectionné. Voilà. Oh, il y a une marque ici, on verra ça après. Bilan des trouvailles à la voiture. Hein, voilà. Allez. C'est cool. Au sol. Et je rallume dès qu'il y a quelque chose. Allez, tchuss. Allez, nouvelle cible. Pareil, hein, 5 cm. Surface du sol. Voilà. Un morceau de cuivre. Hein. Bon, je sais pas ce que c'était. Aucune idée. Aucune idée. Voilà. Bon, en tout cas, je peux vous dire que ça caille. Ouais, il fait quoi, moins 2, je crois. Moins 2 degrés. Là, ça commence un peu à piquer. Là. Voilà, ouais, ça fait quoi, 40 minutes que je suis là, quasiment. Voilà. Bon, il faut dire que je vais bientôt rentrer, parce que de toute façon, c'est pendant la sortie autorisée. Hein. Confinement, hein. Voilà. Donc voilà, bah, je continue encore et puis on verra ce que ça va donner par la suite. Allez, tchuss. Allez, nouvelle trouvaille. Quoi, 5 cm. Hein. Une douille. Merdouille. Voilà, nickel. Hyper content. Super. C'est impeccable. Allez, je précise qu'elle est démilitarisée. Hein. Ça se voit, hein, je pense. Allez, je rallume la prochaine trouvaille. Tchuss. Allez, après la douille qui se trouvait, ouais, je crois, juste là-bas. Ici. Ah, même le sol, regardez. Hop, ici, dans cette petite motte. Voilà. Je pense un reste
Je vois. Aucune idée. Avec un petit filetage ici. Voilà. Ouais, je continue. Hein. Que voulez-vous? Écoutez, je suis vraiment content. Hein. Je fais des super prouvailles là. Franchement. Hein. Je fais des super trouvailles, hein, c'est cool. Puis au moins je sors. Hein. Hein, je sors. Voilà. Allez. Je continue à la prochaine trouvaille. Allez, tchuss. Ouais, nouvelle trouvaille, pareil. Hein. Ici, un morceau de plomb. Hop. Voilà. Nickel. Un petit morceau de plomb. Ouais, ça pollue bien le sol, hein, le plomb. Il faut le savoir. Voilà. Aussi bien l'eau que dans la terre. Voilà. Ça pollue vraiment très très bien. Bah écoutez, hein, lui, il fait son taf. Hein, hein. Il fait son taf. J'ai précisé que j'étais sur un programme spécial. Voilà. Je sais pas si vous voyez. Aucune idée, bon c'est pas grave. Ce serait un programme monnaie mais que j'ai modifié. Voilà. Toujours le même. J'aime bien ce paramètre. Il est nickel. Après j'ai un son R2D2 pour ceux qui connaissent Alumin Lab. C'est sur un son R2D2 mais bon, ça me permet de prendre beaucoup plus de cibles. Je suis en 50 conductivité. Voilà pour ceux qui connaissent ça. Allez, bon, sur ce, je continue. Allez, tchuss. Allez, dernière cible, juste là-bas, le morceau de plomb. Quoi, une vingtaine de mètres. Hein. Et ici, même le sol. Hop. Le reste d'une boucle. Voilà. Aucune idée si c'est une boucle militaire ou j'en sais rien, aucune idée. Boucle de chaussures, je sais pas. Voilà, c'est cool. Bah écoutez. Je rallume ma prochaine trouvaille. Voilà, tchuss. Allez, nouvelle cible. Faut pas changer. Par contre, cette fois-ci, un morceau de zinc. Dézingué. Alors, indice de conductivité proche de l'aluminium, je précise. Parce que ce n'est pas de l'aluminium, mais c'est du zinc. Le zinc se rapproche de l'aluminium. Voilà, sur le programme 50 conductivité. Voilà, ok, un morceau de zinc. Allez, je continue avant de me faire dézinguer. Allez, tchuss. Allez, nouvelle trouvaille. Assez profond là quand même, vingtaine de centimètres. Hein. Voilà. Le reste des anneaux hein, de chaîne. Hein. Bien rouillé. Voilà, voilà. Bon, ben, je vais me rentrer à la voiture. Hein, là, ça va faire une heure. Une petite sortie détection, hein. Voilà, c'est une heure hein, malheureusement. Hein. Donc on va, je vais terminer cette rangée là. Je vais terminer cette rangée et puis voilà. Et puis après je fais le bilan du trouvaille à la voiture. Allez, tchuss. La nouvelle cible après là. L'objet se trouvait juste là. Les anneaux hein, rouillés. Là ici pareil. Hop là, nouvelle cible, pareil, une vingtaine de centimètres, aucune idée. Objet cylindrique, je sais pas s'il y a un filetage ici, j'en sais rien, bien rouillé, voilà, allez, bon ben, de toute façon je m'approche de la voiture, elle est pas très très loin, alors je continue, s'il y a encore quelque chose, je rallume, allez tchuss, allez, nouvelle cible, ici, à ouais, une quinzaine de centimètres, 15-20 centimètres, au bord du chemin, du champ, juste là, ici, hop. Ah, même pas. Ah, écoutez, c'est pas ça, je croyais que c'était ça. Alors ce que je vais faire, hop, alors, on va voir ce que c'est. En tout cas, c'est pas une bonne cible. Hop là. Voilà. On le met en invisible. Hein. Comme vous pouvez voir. Hein. Hein. Voilà. Écoutez, ce que je vais faire, je vais poser la caméra. Hein. Voilà.
Et comme ça, on voit ce qu'on a là, d'accord? Voilà, hop. Ça fait un petit live hein, comme ça. Hein. En tout cas, c'est indésirable. Alors, est-ce que je l'ai raté? Je sais pas. Hop là. Ouais, en tout cas, ça a l'air assez profond. C'est là, j'ai creusé à côté. Ah, c'est ça. Ok. Voilà. Ah, désolé, ça a pris un peu plus de temps. Hop. Voilà. Ici, je m'étais trompé un peu de. Oh, voilà. Un morceau de fer à cheval. Voilà. Ah, il m'a fait creuser à côté. Ok. Ok, ok. Bon, ben, c'est cool. Hyper content. Il fait son taf, lui. Hein, il cherche bien les merdouilles. Allez. Je vais poser ça là. Et je rallume s'il y a encore quelque chose. Voilà. Allez, tchuss. Bon, voilà. Après, ouais, une bonne heure. Hein. 1h20. Petite sortie détection. Hein. Voilà, comme je disais, c'est la première de l'année. Hein. J'en ai pas fait. Hein, voilà. Tout simplement bah, parce que quelques petits soucis de santé. Et puis voilà, pas le temps de sortir, le travail. Et puis voilà, il n'y a pas que ça dans la vie non plus. Voilà. Donc là. Le bilan des trouvailles, voilà, ça se passe de commentaires, hein. Je vous laisse juste les regarder, hein. Voilà, le plomb, la boucle, ce morceau de cuivre, ça je n'ai pas filmé, c'est le fil de cuivre, pareil, la douille, ça je ne sais rien, aucune idée, de l'aluminium, voilà, du zinc, cet objet là, aucune idée, c'est gros, hein. Capuchon de réservoir, j'en sais rien, aucune idée, c'est gros, hein. Voilà. Le fer à cheval, cet objet aussi cylindrique, hein. Aucune idée, avec une petite ailette ici, je dirais une tête de but, on voit bien les ailettes ici, ouais c'est ça. Tac, j'avais pas fait attention au premier regard et en voyant cette ailette là, tac, ouais. C'est le reste d'une tête. On voit bien, il cherche à quoi il. Parce que je pense que c'est ça. Voilà. Je suis pas sûr. Bon. Voilà. Et le cadenas, bah, je ne l'ai pas nettoyé. Et une inscription de ce côté-ci. Je passe un petit coup là. Hop. Petit coup de brosse zen. Et découvre en même temps que moi, hop, Zenka, je sais pas quoi, ouais, j'en sais rien, aucune idée, voilà, et puis le petit anneau là, et puis cet objet là aussi, pareil, ça sonnait indésirable, j'ai quand même creusé dessus, hein. Voilà, et ce petit morceau de zinc, voilà,
quelques petites trouvailles, hein, c'est bien. Hein. Écoutez, ça fait ma petite sortie. Ça faisait longtemps que le détecteur, je ne l'avais pas sorti. Donc, ça fait du bien. Ça fait super du bien. Bon, après, le champ, il donne pas grand-chose. Je vous rassure. Hein. J'aurais pu faire au moins un petit phénig, hein, quelque chose comme ça, une petite monnaie, un petit 1 franc, 1 franc des années, les francs des années 60 encore. Mais non. Hop, je passe un coup de baillette, hein, vous voyez, je nettoie en même temps. C'est quand même bien, hein, quand même, hein. Voilà, voilà. Allez, bon, ben, sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, de l'avoir visionnée jusqu'au bout, si tel est le cas. Puis de vous abonner, hein, n'oubliez pas. Hein. Et puis activer la cloche pour ne pas rater mes vidéos. Voilà, et puis qu'est-ce que je veux dire. Et puis regardez d'autres vidéos, des questions, il y en a plein. Hein. Voilà, il y en a plein. Allez, sur ce, ben, je vous fais de gros bisous à toutes et à tous. Hein. Et puis si je ne refais pas de vidéo jusqu'à la fin d'année, ben écoutez, je vous souhaite de passer tout simplement de bonnes fêtes de fin d'année. Hein. Même si avec, avec cette histoire de cette crise sanitaire là qui nous touche beaucoup, hein, qui touche le monde entier, hein, ben on arrivera quand même à fêter, à passer de bonnes fêtes de Noël, hein, tout simplement. Allez, ben, sur ce, je vous dis à plus et puis tchuss. Allez, gros bisous, salut.